Hello les gens, c'est Skyvalo, comment allez-vous? Moi c'est super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Portal. Donc c'est parti tout de suite, parce que tout à l'heure j'ai fait la même vidéo et... le son était pas bon, j'avais pas fait de vérification. Vidéo de 10 minutes. Je pense 10 minutes c'est bien. Alors c'est parti. Alors ce sera un let's play. Normalement, je pense. Tout dépend de mon humeur. Lol. Alors, on va prendre ça. Il bug ce compteur. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement. Ça a pété à la fin. Écoutez la 85 FM. Votre échantillon a été traité. Nous pouvons maintenant procéder au test. Avant de commencer, wow, vous devez savoir que même si le divertissement et l'apprentissage sont au cœur des activités du centre, vous risquez de subir des lésions irréversibles. Oh. Pour votre sécurité et pour la sécurité d'autrui, veuillez ne toucher à rien. Le portail s'ouvrira dans 3, 2, 1. Je crois que c'est... 1. C'est mon lit ça? On peut faire quelque chose avec? Non. Allume ma radio, ma radio. Hop, ma radio, ma radio. Ma radio. La radio elle est là? Radio. Ah, elle est là. Oh, bon, c'est bon. J'ai ma radio. Je suis une nana. Salut, c'est moi. Avec des pieds chelous. Avec des trucs aussi surtout. Mais bon. Allez, c'est y part les amis, wesh, la famille et tout. Allez, va, tu fais tomber ce cul. Bam, tchip. Je peux le jeter. Hop, voilà. Parfait. Veuillez retourner dans le sas après avoir complété chaque test. Non, monte avec moi, monte avec moi, monte avec moi. Oh, le champ de particules incandescentes devant le champ de particules. La grille d'émancipation matérielle d'aperture saïenne favorisera tout matériel autorité la traverse. Prenons comme exemple le cube de stockage lesté d'aperture saïenne. Je devrais trop faire la voix en vrai dans le portail. Sauf que ça sera un peu plus dégueulasse. Y'a rien. Alors c'est type hop 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 hop. Le cube de stockage lesté sur le giga bouton d'extra collision d'aperture saïenne sa charge supérieure de 15 000 MW. Là. Hop, on a le cube. Hop, on a le giga bouton. Parfait. Retournez rapidement. Et hop, on va à la porte. Car les effets d'une exposition prolongée au bouton. Alors au début ce sont des trucs faciles. Et à la fin, eh ben, ça sera plus compliqué. Donc pour ceux qui connaissent pas un peu Portal, le truc c'est qu'on est dans un laboratoire enfermé par GLaDOS, le petit robot, le robot là, qui nous parle. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Après on verra plus tard. Nous apprécions votre diligence. Veuillez noter que les saignements bucco-dentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole d'état. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science occasionne des effets secondaires au niveau des plombages, des couronnes, de l'émail et des dents. C'est parti. Vite, avant qu'il tourne. Hop. Et ben non. Très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail d'Aperture Science. Celui-ci vous permet de créer des portails. Ces portails interdimensionnels sont sans danger. Contrairement au générateur, ne touchez pas le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement le faisceau du générateur. Ne regardez pas directement. Tenez le générateur à l'écart de tout liquide. Plus important encore, vous ne devez en aucun cas sortir. En aucun cas. On sait pas quoi. Mais en aucun cas on doit pas faire quelque chose. On ne sait pas car on ne sait pas quoi, mais on doit pas le faire en aucun cas. Ça va être compliqué, hein. De toute façon on va le faire sans. Qui sait. Dirigez-vous vers le sas. À
Attention à la marche. Il est là. Yop. Bien, le bon moment à amener votre fille au bureau d'Aperture Science est le meilleur moyen de l'évaluer. Ma fille, j'ai une fille. Oh non, il me faire quelque chose à ma fille. J'ai une fille, il faut prendre une fille. Qu'est-ce qu'ils vont faire à ma fille? Bienvenue dans la quatrième salle de test. Vous en sortez bien. Quatrième salle de test. Ok, cool. Hey. C'était pas là, c'était là. Clac. Casse-toi toi, le petit robot là. J'insiste, très beau travail. Ah merci, je sais. Conformément au protocole de test, vous ne serez pas surveillé dans cette salle. Vous serez livré à vous-même. Vous ne serez pas surveillé dans cette salle. La chance. Alors, petit chargement. Non, ça charge tous les deux salles. Toutes les... ouais, deux salles. Genre, on fait deux salles et après, il y a un chargement. Ça doit être un truc comme ça. Hop. Afin de garantir la bonne exécution des activités autorisées, veuillez ne pas détruire les appareils de test vitaux. Bam. Et boum. Ça se revient là. Conformément au protocole de test, vous faire croire que vous ne seriez pas surveillé dans cette salle était une information fabriquée de toutes pièces. On est qu'à 6 minutes, donc on va continuer un peu. Beau travail. Conformément au protocole de test, nous cesserons de masquer la vérité dans 3, 2... Ah bah c'est monté depuis tout à l'heure en fait. D'accord, c'est super rassurant. On dirait un peu des matelas ça. Quand je dis ça, il y a un chargement. Ça là, il y a un peu de matelas. Oh, je dors bien là-dessus, moi. Alors, qu'y a-t-il dans cette salle? La sécurité est au cœur des préoccupations du centre d'enrichissement. Okay. Toutefois, les sphères ultra-énergétiques d'Aperture Science à gauche de la salle. Incroyable. Nom du sujet. Vous devez faire la fierté de... vie du sujet. Ok, je sais pas trop. Mais c'est pas grave. Bon, on va s'arrêter là, on va faire une vidéo un peu plus courte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à laisser un pouce vert. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.